Allez, on est de retour pour la deuxième partie du stream, deuxième rediffusion sur YouTube. J'espère que vous allez toujours bien. Moi, ça va pas. On est sur une série de 3 défaites. C'est catastrophique. En plus de ça, on crève de chaud. On en a plein le cul. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais jouer maintenant pour essayer de remporter une game, là? On me demande pas d'essayer, on me demande de remporter des games. Qu'est-ce que je vais jouer? Ah si, c'est ce que j'ai dit que j'allais tester le petit Mewtwo là. Let's gong. Mewtwo. Mega X. Voilà. Re-YouTube, nous dit Jamal, qui est en pleine Dino Dance comme d'hab. Aïe aïe aïe, on a commencé le stream à 1555. On est désormais à 1554. Les 1600 s'éloignent. Allez, go. T'es énervé là. Ouais. On va essayer Mewtwo. Mewtwo Mega X, Mega Mewtwo X. Let's go. Re-YouTube. Deuxième rediffusion, effectivement. La chaleur, la sueur. On va rester comme ça avec Vulné Assurance, l'antilescope, bande aux muscles. Ils ont un soigneur et pas nous, mais on a 2 tanks. Beaucoup beaucoup de dégâts. Zero aura, zero arc. Allons-y. Je joue en jungle pour la première fois. La dernière fois, j'avais que joué en lane. On va tester. Et voir ce que ça donne. Ruban doré, pire au but, ça va chauffer, ouais. On va voir, on va essayer de le choper avec prescience. Ils sont trop au bot, je vais essayer de venir. Voilà. Bon, on nous voilà déjà à 3 kills. Comme t'as dit, on s'énerve. On s'énerve avec ce Mewtwo. Très bien.
vais revenir au bot. Ah, je détruis la zone, fuck it. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je suis déjà niveau 9. C'est bien. Je vais venir au top, je pense. Je me suis fail, je voulais préscience ultime et j'ai fait ultime préscience sans le vouloir. Pas grave. On va le reset. Ok, profiter de la méga evolve si on peut. Ouais, plus personne, tant pis. Ah dommage, mais il meurt avec la préscience. Ok, pendant ce temps-là au bot, on a géré. Donc c'est pas trop mal. Je suis déjà à 9 kills, c'est bien. J'ai vu un Mewtwo X ruban bleu, personne me croit. Bon, si, je te crois. Tellement le Pokémon est fort, les gens l'ont spam. Hein. Ça ne m'étonne pas. C'est tellement brain dead ce Pokémon. Bâtard. Cette ultime de sucrène très chiant. On va reculer un petit peu. Enfin, j'ai rien pu faire. Je voulais téléporte pour me barrer, mais je me suis fait taunt par le. Pff, c'est quoi cette poupée Moonja? Il était pas du tout en danger. Très mal joué. Allez, il est mort. Ouais, je me suis fait taunt par le Melodelf là, pas eu de chance. C'est mal barré cette game, je sais pas si on va gagner. Malgré le Mewtwo là. Team. C'est hardcore cette game. Faut venir sur l'objectif du bot. Lumière fut. On est que 2, 3. Faut go, hein. Quoique. Choper le fenard là, ouais. Free kill, c'est bien. Ah, dommage, ça passe pas. Ah, mais. Il y a 5 contre 3, normalement, ça va, hein. Ok, ça passe tranquillement back. Attention. Objectif top.
Pourquoi il y va? Il est tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Et lui qui est ultime juste avant le Rayquaza, mauvaise idée. Bon, j'ai la méga évolve, on peut aller taper le truc là si possible. Là ils sont là-eu. Là il s'est fait immobiliser. Il y a Fenard là, peut-être qu'on peut le choper, il va exploser normalement. Ouais, nice. Je serais con de mourir juste avant le Rayquaza, mais bon, je me fais ultime, c'est foutu, quoique. Ah, quoi. Je peux pas tout faire. Hein. Bon, j'ai pas ultime, c'est le principal, je le garde pour après. Zoroark est à FK. En tout cas, il fout rien pour l'instant. 16 secondes, c'est foutu, je pense qu'ils ont largement le temps de faire le Rayquaza à 5 là. Et nous, on a 3 morts. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait le Zoro? Catastrophique les deux, hein. Zeraora, Zoroark, ils ont rien fait de la partie. Bon. Dommage. Allez, go next. Les mates en mousse, ça n'aide pas. Puis le soigneur était très chiant. Ils ont rien fait les deux, hein. Zoroark et Zero et Zeraora, franchement, ils ont été inutiles dans cette partie. On était ouais, 3 contre 5, quoi, à peu près. C'est quoi cet enchaînement de défaites? Moi, je sais pas. C'est la malédiction. C'est parce que j'ai souhaité trop tôt son anniversaire à Stitch. Non, pas comme ça. Les games sont difficiles, ouais. Pourtant, je fais de mon mieux. Le karma. Je fais de mon mieux, mais c'est pas suffisant. Oh no. La malédiction du diamant. Ouais. Faut que je lui retire, c'est ça? Je vais lui retirer. Boum. D'où tu dis des conneries? Jamal. Jamal qui se fait sniper par Stitch. Allez, n'a plus de diamant. So long le diamant. Bonsoir, bonsoir. Salut Astros. Bienvenue. Peut-être vas-tu nous faire arrêter cette série de défaites. Ok, on laisse le diamant en dehors de ça. Trop tard, il est déjà parti. C'est qu'il est mauvais, quand j'ai un diamant, il a genre plus 90% de taux de win rate, à la normale. À la normale. Le diamant, il va revenir dans 10 jours. Pour le vrai stream anniversaire. Mais là, il est trop tôt. A plus. Il rage quit. Le rage quit de Stitch. Je m'en vais. Adieu. À dans 10 jours. Adieu le diamant. Adieu Stitch. Le pseudo du jeune Jar. C'est là, c'est quoi ce bordel? Il a explosé son clavier, je pense. Je dois vraiment y aller. C'est parti. Bah voilà. Mérité, le retrait du diamant est mérité.
On a un match-up plutôt bon. On va voir, hein. Ils ont quand même énormément de dégâts, mais ils sont squishy. Donc on peut les tuer vite comme ils peuvent nous tuer vite. On va voir. Bonne soirée Stitch, merci d'être passé. Et désolé d'avoir failli l'anniversaire. Ça sera pour la prochaine fois, dans 10 jours, promis. C'est promis à la commis. On refait un stream le 30 août pour l'anniversaire de Stitch. Et merci pour le Prime, encore une fois. On est à 2 sur 5 sur l'objectif d'abonnement. Quelle catastrophe. Mais c'est Stitch aussi, il m'a bait sur Discord, il m'a dit c'est quand que tu stream. Donc moi je me suis dit ouais t'inquiète, je vais faire le stream anniversaire. Et je pensais que c'était aujourd'hui X. Mais absolument pas X. C'est dommage. Qui est Mewtwo au top, ouais. Moi, mon rêve, c'est de recroiser en game Nono le Jardin. Mais bon, il est porté disparu, donc... C'est à ton 14, normalement c'est win. Ton 14 ? C'est vraiment un power spike le 14 de ce Pokémon. En termes de stats j'imagine hein, mais... Lol, il a dash dans ma vibre obscure, parfait. Je suis carrément mort mais... C'est pas grave, on a quand même pris un kill. Et 14 donne énormément de stats. Ok, on va voir si on y arrive. Bon, leur lit est toujours catastrophique avec ce Pokémon, on s'en rappelle. Hein. Lors de ma vidéo récente avec lui, c'est la galère. Il ne voulait même pas niveau 9 à 7 minutes, quoi. C'est Yanche. Faudrait déjà qu'il oublie pas de stack. C'est bon, j'en ai déjà un, c'est gagné. Ne chasons pas, faisons l'objectif, voilà. Nous permettre de marquer un panier, ça peut être cool. Putain, j'ai pas pu marquer. Pourtant, Tyranocif, c'est le Pokémon du jeu qui marque le plus vite. Hein. Genre, l'animation est celle qui est la plus rapide. 3 stacks, parfait. Pas mal 3 stacks déjà. T'as 3 jungle en lane, ouais c'est vrai. Va te faire foutre, Miplodocus. Mais du coup, j'ai pas le buff violet pour après. Le buff violet très très utile avec ce Pokémon car il a un temps de recharge assez long. Mais pourquoi ? Oh la catastrophe de cette ultime de Pyrobut ! Il l'a lancé sur un Absol qui était déjà mort, et l'ultime n'a même pas marché. Qu'est-ce que c'est que c'était... C'est nul à chier, nul. Nul germain, comme on dit. Qu'est-ce qu'on branle, il y a un objectif top. Hein.
Mais le plot, il veut du pain. Ouais, c'est ça. Il veut du pain. Faut aller au top, on a notre ult. Et les Argus qui est pas loin. J'en ai que deux. Nice. Go, obj, vite. Comment on a cette couronne? Hein? Ah, la couronne de Prime. Bah, faut être abonné à Amazon Prime, en fait. Et avec ça, tu peux sub gratuitement. Pour avoir plus de points de chaîne et plus de Pokémon à me conseiller, ou à m'imposer, en fait. On l'aura jamais, adieu. Bon, niveau 14. C'est Astro ce qu'il a dit. Continuez comme ça. Faudrait déjà que je gagne mon propre argent. C'est vrai, c'est... ça peut être utile. Jamal qui est tout nu dans la rue. Le SDF. On est bientôt 14, comme nous l'a dit Astros. Le Mewtwo, il est en mode courez. Continuez comme ça. Oh là là, je sais pas si c'est une bonne idée d'essayer de faire le Rayquaza. Oh le bordel, je l'ai eu avec mon ultime. J'ai spammé ma touche en mode grosse attaque de forain avec le coup de pied là. La victoire du Tyranocif. Pogay. Vous voyez comment il score ultra vite ce Pokémon. Viens ici toi. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. C'est long, game et tout. Bien joué. Bien joué. Continuez comme ça. Oh la dingue. La dingue. Dommage. Ça t'étais pas obligé par contre. Jamal le SDF genre. Ça y est, t'as été Rinaïm par le stream. Jamal le Clodo. Bah voilà, je suis à 6 stacks. Tu disais que j'avais pas stack et tout, bah voilà. Voilà. Terminé. Je leur ai montré.
1002. GG à tous. Six stacks à 30 secondes de la fin, super pratique. Bon allez. On part sur une deuxième game d'affilée avec tir nocif. Cette fois-ci, je vais essayer de stack plus rapidement pour Jamal. Car en effet, la game précédente, j'ai eu mes 6 stacks à 30 secondes de la fin, comme tu dis. Mais ça va, j'en ai eu 4-5 juste avant, donc c'est bien. C'est bien. Allez. Mélodelf double stacking, c'est bien. On va voir ce que ça va donner, on a un soigneur et un tank. Une équipe plutôt sympa. Alors qu'on a le poisson. Le poisson. Salut à toi, merci. Bienvenue sur ce stream. Le poisson. Le poisson. Excellent pseudo, j'aime bien. Il y a Pichu, ça fait longtemps qu'il est pas venu, Pichu. Sur le stream. Déçu. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à la recherche de Nono le Jardin. Avis de recherche pour ce joueur qui nous manque beaucoup. Le mieux est de faire une première Ota Mewtwo avec Tira Lane pour les stacks et ensuite switch jungle. Ouais, mais on est en solo queue. On va éviter de faire ça avec les men de la solo queue, ils vont rien comprendre. Ils vont faire de quoi tu racontes? Ils vont rester en jungle tout le long de la game. Mauvaise idée. Bim. J'étais sur le live de Mustacho. Je viens de son raid et Georges est avec en arrière-plan. Eh hein bah bienvenue. Je ne connaissais pas qui était Mustacho. Mais merci à lui et à toi du coup d'avoir participé au raid. Ça fait plaisir effectivement d'avoir des raids de temps en temps. Cimer. Attention, j'arrive. Pourquoi il attaque ? C'est un prankeur lui. Oh ouais, le carapuce c'est un prankeur. Il faut le tuer, voilà. On la remontre. Aïe. Oh non, il a évolué, c'est foutu. Oh ouais, on est tous morts. Hein. Connerie de méga évolution là. Et moi avec mon putain de infect. Ouais, mais l'Odelf tu rages. Draco il a quand même pris un kill, bien joué, il y a counter. On ne sert à rien en début de partie, hein, on est habitué. Avec ce Pokémon, j'aurais peut-être même pas dû forcer le kill là. Sur le Mewtwo, on aurait dû reculer direct. C'est bien, moi je suis pas du tout présent sur les 8 minutes mais on a des potes. Des saillants, des Mewtwo, bien joué. On va privilégier l'XP parce que bon... C'est laser mis sinon. Un mot qui décrit ce massacre, Mewtwo. Oh le gang t'as peur. Allô, je suis coincé. Ah, Mélodelf. La fin du rêve. Parfait. Aïe. On n'a pas notre bandeau donc rip. Go run. Bon. L'early game avec infect. C'est abominable hein, comme early game.
ce Pokémon. Je vais encore pas être niveau 9 sur ma dernière rota de jungle. C'est Kraignos. Mais c'est ok, on est bientôt niveau 9. Nickel. C'est bon, j'ai évolué, c'est gagné. N'oublions pas les stacks d'altère de force. Il y a peut-être moyen d'en mettre un au bot, je vais essayer de venir. Ah, c'est gratuit, je pense. Impeccable, premier stack. Il y a un fight là-bas, on va essayer de venir sur le Mewtwo. Nice. Là on l'a interrompu, donc on a eu pas mal d'XP sur notre Dracolos qui a eu le kill. Il y a la jungle qui a respawn. J'y vais. Au moins le violet quoi, le violet c'est grave cool pour avoir plus souvent le tourbissable, car c'est un temps de recharge super long, donc ça le réduit d'autant plus. Melodelf dans la sauce. On va éviter de go 2v4 là. Faut fuir si possible. Ah, il est mort. Rassemblement bot. Run Asento. T'as gagné la game Nigosier ? Ouais. T'as même pas regardé la game Nigosier quoi. Quelle honte. T'as demandé Nigosier, t'étais même pas là pour voir ça quoi. Ok, on a Goumé Fenard, c'est bien. Pareil pour Mentali. Let's go, un stack jusqu'à la fin de la game, probablement. Probablement pour de vrai. Oh nice. On a eu l'objectif, tant mieux. Elle est déjà niveau 12. On va courir sur l'obje. Ils sont déjà dessus. Oh, ça craint. Soldat. Nice. That's a kill. Putain, ça fait propulser par le truc là, bizarre. Relou. Tellement de cheat Tira, bof hein. Leur league game est catastrophique. Attention. Oh là là, le nombre de contrôles de foule qu'il y a en face aussi là. Mais enfin c'est insupportable. Aïe. Coup dur. Adieu DC Viande. Je sais pas ce qu'il espérait à se balader tout seul comme ça. Oh là là, la survie. What the fuck. Oh non, il a pris aucun kill, le noob. L'objectif du bot. Du coup, il a utilisé son ult juste avant l'obje. Coup dur. On n'aura jamais l'obje, hein. Trop tard. Dernière ligne droite. Courage.
Le buff violet. Parfait. Okay. On va rester safe avec le rayon lune. Oh la vache, le bordel. Mon deuxième stack. C'est promis, Jamal, j'ai un deuxième stack. Voilà. Il faut sauver le soldat. Ah oui, il est là, ok. Merde. Continuez comme ça. J'arrive. C'est ouf le Montali. Qu'a-t-il cru? Ben voilà. Deux stacks. Je reste en def, hein. De toute façon j'ai mon tourbissable qui peut passer à travers les shields si jamais ils ont Rayquaza. Bon, les deux mecs vivants ils sont sur la map donc c'est gagné. Hein. Ils auront pas le temps. Incroyable. 4, 3, 2, 1. Terminé. L'enchaînement de victoire avec ce Tyrannosif. Bien joué. Bon bah comme je l'ai dit, hein, difficile early game, mais après on arrive à faire des choses avec ce Tyrannosif. Bien joué. Ok, deux stacks plutôt que un, je valide. Easy, easy les stacks, t'inquiète. Allez. On enchaîne. Je joue vraiment de mage avec énormément de mobilité pour counter Tyra. Cette méta est vraiment favorable. Connexion au serveur. D'accord. C'est full buggé du coup. On va pas pouvoir sélectionner notre zone. On est décalé sur la gauche, tout va bien. Les trois zones de la map sont recommandées. T'inquiète. T'inquiète, je gère. Le jeu qui est en sueur. Ok, let's go. On va aller en lane et cette fois-ci, on va avoir des stacks avec l'altère de force. C'est sûr et certain. Aïe, aïe, aïe. Tyra vraiment polyvalent qui peut aller dans les trois zones. Exactement. Pour le coup, ça sera au bot. Pour marquer des paniers. On va essayer. Mais bon, ça va être dur, hein, d'XP. Après, on a Mewtwo si on a des bons gants qu'on peut XP et marquer. Donc. Pourquoi pas. C'est parti. Eh, on a deux des pires laners du jeu là, avec Grenousse et Ambrinex, superbe. La confiance. Yeah, j'ai eu l'XP, tant mieux.
Là aussi. Non mais Grenousse il a buté Brindibourg en fait. Bien joué champion. Salut Robin. Bonsoir effectivement. On va se faire cliquer dessus. Il joue pression, c'est pas la peine de rester, moi je me casse. Je vais me faire un V3. Je reste caché derrière le sapin. Alors qu'on a notre Mewtwo allié qui est là, on va essayer de venir pour aider. Ok, un kill qui est pris. Probablement un deuxième là sur le E-flèche, parfait. C'est bien meuf là en infect. Corporal est allé crever, non? Pas encore. Je vais me faire cliquer dessus, ouais, superbe. Heureusement que j'ai la mobilité avec la zone là. Sinon je serais mort. Donc ça méga evolve, il m'aurait chase à au bout de la map. J'ai pas réussi à avoir l'XP, dommage. Aïe. La survie. Non Mewtwo t'es full vie. Mais ça me rend ouf, il est full vie, il prend la baie. Sale con va. On va bien te faire voir. Courez. Ah oh, y'a Mewtwo derrière. On m'a pas vu, parfait. La pire line c'est plutôt Archiduc pire au but. C'est vrai aussi. Dans leur capacité assez tard. Pourquoi je me fais ping par l'autre abruti là? Alors qu'il fait que crever depuis le début de la game. Mettre suspensif. RIP la bot lane. RIP Colimucus là-bas. Il y a un Archéuc en face. Ah. Courez. Ah super, on est en attente hein, du niveau 9. Pas grand chose d'autre à faire. Comme le dirait Locust, partout tu iras, jamais tu ne stackeras. Mais c'est vrai. Impossible de stacker, faut arrêter de jouer ces items. Alors peut-être. Le infect. Qui avance, qui saute. C'est bon, c'est gagné. Je suis niveau 9. Ok. Dur. Bon, moi il a plus d'ult. Hein. Et Cochinier aussi, il est en galère, il a pas encore evolve. Oh misère. Oh la flèche magique qui prend deux kills d'un coup. Vas-y Amphinobi, chope le archiduc.
C'est faux, il y a Mélo Delph à côté. Profite pour stack, tu vas où? Non, t'inquiète, t'inquiète. Oh là là, le style de Amphinobi. Pogay. J'ai 3 stacks. Alors, il y a l'objectif du taupe. Oh, le archéhuc. Et le mélodelphe, adieu. Ah, ils sont pas prêts de le finir, hein. Oh, purée, c'est pas passé. Duo après? Non. Je ne joue qu'en solo queue, évidemment. Allez, niveau 13. Parfait. J'ai pas mon ult, mais bientôt. 3 stacks. Pas si en 5 ou 6 secondes on peut le faire. On va essayer. Let's go, on l'a eu. Large en vrai, il y avait 3 secondes. Dernière ligne droite. Oh, la flèche. Midlife, le arche, le fenard. Moi, YOLO. Ah, dommage. Je me suis dit avec un peu de chance on allait avoir le Raik. Le quatrième stack. Et après le surend. Voilà. Plus 100 into surend. Bon bah dommage, Tyranocif qui a tenu 2 victoires. Et une défaite du coup. C'est le skin ça. J'ai mis le skin pour la 3ème game et... perdu. Défaite. Pas de chance. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, encore une ou deux games et après, c'est ciao. J'ai envie de jouer Fenard à l'Ola, je pense. Il m'a donné envie de le jouer, le coéquipier, là. Allons tester ça. Pire au but. Ah, coup dur. Jamal qui utilise les points de chaîne. Pour demander pire au but. Non, on va pas stacker. Pas d'alter de force. C'est mort. Dino Dance. Allez, c'est parti pour jouer le pire au but de Jamal.
On va voir ce que ça va donner. Si possible, en jungle, c'est toujours buggé, mais ça passe. Premier arrivé, premier servi. Alors peut-être. Pire but de Jamal qu'on va jouer comme ceci, ouais. Avec des taux de critique, allons-y. On va jouer des taux de critique pour changer. Pas mal de vitesse d'attaque, l'antilscope. Bouton fuite. Nitro charge, pied brûleur. Allons-y. Putain, mais Jamal il m'a cancel. Il m'a empêché de jouer Fenard quoi. Sois banni à tout jamais. Il y a Philali qui peut nous one shot, ça peut être compliqué. Ah, celui-là aussi, j'ai envie de le jouer Philali. Peut-être le jouer après. Plutôt que Fenard. On va voir. Prêt ? C'est parti ! Allez ! Bâillement. L'attaque bâillement. Go jungle. T'aurais mis attaque plus, ça aurait été mon build alliantique. Eh bien non. Pas d'attaque plus pour ce petit flambino. Hop là. Salut à toi Omicron, Lulu, bienvenue, merci beaucoup pour ton follow. Adieu Noctali. Ah, le Protect Score quoi. 2021. Bien fait de venir au top. Ah merde, il y a un man. La brûlure qui l'empêche de marquer, parfait. Exclamation bonjour. Pour les nouveaux arrivants, effectivement. Aïe. Tu détestes vraiment ta commu. Mais non, c'est un mensonge. J'ai même pas pu nitro charge au bouton fuite, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai appuyé sur mes touches, mais... j'ai mal joué, c'est tout. Hop.
Lol. Oh non, il va évoluer. La catastrophe. C'est ok, c'est ok. Tout est prévu. J'ai laissé passer la régie de l'équipe pour aller le tuer. Le tyrannosif. Le divertissement avant tout, je le rappelle. Pour ceux qui sont pas au courant, on est là pour le divertissement. Oh lol. Nickel. Niveau 11, c'est bien. Plutôt bon début, même si moi j'aurais déjà dit kill. Ok, le man, le melon. Melon man. On a 5 minutes, j'ai pas ultime une seule fois pour l'instant. Ok, je rigole. Il est passé au tir nocif. Ok. Disparu. Disparu des radars. Moi je serai cheat, pas toi. Niveau 11. Je ne suis pas cheat, bah non. Je n'égalerai jamais le niveau de Jamal sur Pyrobut. Ok, niveau 13, c'est pas mal. Je sais pas ce qui se passe là-haut, mais on va venir. Ok, aïe, oui. Oh la vache, les coups critiques, évidemment. Mais Tyrannosif va me venger. Et non, dommage. Il va même se faire tuer. Coup dur. Une game sans Mewtwo, c'est rare. Ah, c'est vrai, ça, j'avais pas fait attention. Mais ouais, pas de Mewtwo dans cette game. On utilise des ultimes juste avant le Rayquaza. C'est pas bien. Coincé. Dernière ligne droite. Courage. Allez hop, on a Hyrule, c'est parti. C'est bon, on a eu. On a eu le Rake. Mission accomplie avec l'ultime. C'est mon seul ultime de la game, voilà. Le meilleur ultime pour voler Rayquaza. On peut pas marquer, il est avec Tyrannosif là. Ça passe. What, j'ai bugué.
Mon Pokémon il s'est coincé contre le mur avec le nitro. Le pied brûleur. Le pied brûleur contre la zone là. J'étais coincé. Ok. Pierre au but number one. Bah ouais, ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'on va gagner quand même? Je sais pas. Hein. On va voir. Dino Dance. Ouais, on a tiré dessus pour défendre, là ça va aller. Hein. Il s'agira de défendre sous la base, mais. Parce que là, du coup, il marque en fait. Adieu. Re à toi et au stop. Azur. 5, 4, Ult à 2-20, c'est nickel ça. 2, 1, ouais. Terminé. Tout à l'heure on a balancé des ults à 2-20, mais bon c'est pas grave, hein. On a quand même gagné. Parce qu'on avait pris 2 kills, on a pris 2 kills juste avant Rayquaza, donc je me suis dit allez on le fait, on est 5 contre 3 et mon ultime va passer. Scénario idéal. Mon seul ult de la game. À part la toute fin là, mais ça compte pas. Ça compte pas. Ok, GG. Le pire au but de Jamal, quoi. Bravo. Merci pour ce gameplay pire au but. Jamal du 22. Le 22, c'est l'équateur, hein, je le rappelle. Pas mal pour un pire au but novice. Merci. Merci pour tes encouragements. Allez, dernier Pokémon de ce stream, c'est Philali. Philali, on va faire une prédit pour Philali. T'aurais pas envie de le rejouer avec d'autres Nexus Points? Peut-être, hein. Dans tous les cas, là, c'est Philali dans un premier temps. Que je vais essayer de jouer en jungle si possible. Hop, allons-y. J'ai l'altar de force. Attention, on va finir la game en stack. C'est prévu. Je prends ça pour un oui. Oh, Shai, c'est. Il va remettre des points pour jouer pire au but là. Ah, il faut que je passe de novice à amateur quoi. Je regarde le niveau des streamers sur Unite, ça m'occupe. T'as vu à quel point je suis nul au jeu. Et au stop. Alors qu'on a un nouveau follow. Chronocus. Merci beaucoup à toi. Bienvenue sur ce stream. Où on fait des prédictions sur le nombre de kills. Mais là pour l'instant il n'y a qu'un votant. C'est Lizox, vu. Lizox qui ne parle pas dans le chat, mais qui a quand même parié. Bien joué. Ah, de toute façon, hein, s'il n'y a que des votes pour l'une des catégories, bah, le vote est annulé. Ça va comparé à d'autres, ça va. J'aime bien le ça va. Bon bah si ça va, c'est ok. Ah ça y est, quelqu'un qui a voté bleu. Quelqu'un qui pense que je vais pas faire beaucoup de kills. La cote à 3 pour les bleus. Dégommé.
Le Evoli vert a défoncé le Evoli noir. Aïe. Il fait mal le Zoroark. Je me casse, j'ai compris. Je veux que le gagnant gagne quelque chose. T'as un Jamal, quoi. Trop sympa. Mais qui sait, hein, c'est toi qui vas peut-être gagner. Hein. En réalité. Evoli jaune. Ouais, je dis Evoli vert parce que c'est type plante, tu vois. Mais si tu veux, tu dis Evoli vert comme tu veux. Evoli jaune. Il est vert comme les plantes, c'est vrai. Oh, l'erreur. Je me suis fail avec l'âme solaire, mais c'est pas grave, on l'a quand même tué. Kranix. Kranix, c'est un... un semi-viewer. En tout cas, c'est quelqu'un qui passe sur les lives de temps en temps, non? Il me semble. Premier stack. C'est le seul stack que j'ai promis. Bah, c'est ok, hein. Ah. Putain, je voulais l'ultime parce que j'ai le bouclier de secours et le tuer, mais il est passé dans le bush au même moment, enfoiré. Dommage. Pas grave. J'attends mon Dracoli. Ça arrivera jamais, hein. Faut se faire une idée, il n'y aura plus de évolution. Oh là là, le deuxième stack. Parfait. La lame solaire qui part toujours à l'ouest. Je vois pas de quoi tu parles du tout. Je suis niveau 12, tout se passe bien. Et je suis à 2 stacks, c'est-à-dire 2 fois plus que ce que j'ai annoncé. Alors s'il te plaît, ne juge pas. Objectif top. Continuez comme ça. Aïe. OMG. C'est ok. Boum. Je vous l'ai dit, quintuple kill, tout va bien. Je vous ai promis que tout allait bien. C'est trop fun, Philali, je trouve. Et aussi très fort. Ouf, joli combo.
Combo combo. Happy feet. Dans la survie à 1 HP par contre, ça m'a mis bien. J'ai déjà bientôt mon ult. Premier que je vois, je l'ult. Hein. Rien à foutre. Oh non, il a ultime instant. Tricheur. Hop, salut. Je me casse. J'ai tenté ma chance, ce n'est pas passé. Enfin, j'ai pas de vie en fait. J'aimerais bien y retourner, mais... trop peu d'HP. On va pas prendre de risques. C'est 5 kills quoi. Pas quoi s'exciter. Ah, ça fait remporter la prédit hein. Pour les roses. Quand je suis pas là, on perd l'objectif quoi. Zut. Je balance un dernier ult avant le Rayquaza, si possible là-haut, sur The Fury ou je sais pas qui. Voilà. Et après on fait l'obje. Comme ça il n'y a plus The Fury pour l'obje. Partagez-vous les 10 Nexus Points. C'est vrai. Ça fait pas beaucoup. C'est déjà ça. Continuez comme ça. Alors ça fight. J'ai bientôt mon ult. J'ai vraiment dit partie marquée. Le zinzin. Bien joué. J'aime à choper l'euphorie ou le Zoroark ou je sais pas qui. Il n'y a plus d'ultime euphorie, c'est bien. Oh le one shot, ils ont plus de soigneurs, c'est parfait. Aïe. Oh Pikachu, casse-toi. Ah la boule élec. Un Flagados, va-t-il survivre? Non, dommage. Qu'est-ce qu'ils font là, les Givrali et Nymphali? Non. Ils se suicident. Ah ouais, tout le monde est mort. Tout le monde est mort, il n'y a que Mentali, il a son ult. Bon, ça sent la défaite quand même. Hein. Il va même pas essayer, si. Ah, on peut pas faire grand-chose de plus dans cette game, malheureusement. Bien joué! Oh c'est bon, je l'ai cancel. Bien joué. Bien joué. Oh la vache. Je suis pas aidé. Bien joué. Cinq. Quatre. 3, 2, 1, terminé. Je peux rien faire de plus quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. Dommage pour cette game avec Philali. Le dernier fight n'était pas à la hauteur d'une victoire quoi, on va dire. Défaite. Prépare tes meilleurs skills de football pour pire au but. C'est parti. Je vais faire des roulettes et tout ce genre de choses. Aïe aïe aïe. Le Evoli noir a détruit tous les autres Evoli. C'était le Evoli noir contre tous en fait. Dommage. Allez, balance les points, Jamal, pour la dernière game du stream.
On va se terminer avec un... un pire but. Troll pas par contre. On va faire au mieux. Hein. Moi je promets rien. Jamais. Alors peut-être, les points de chaîne. Le meilleur pour la fin. Pire au but. Let's go. On se termine avec pire au but. Le pire au but de Jamal. Jamal Musiala. Voilà, c'est ça. Tu es Jamal Musiala. Là, ça s'écrit vraiment comme ça, Jamal Musiala. Jamal Musiala, voilà. C'est parti. Les skills de football de Jamal Musiala. Le début de la richesse pour l'Isox, effectivement, j'avais pas vu. Bravo. T'as eu confiance en mes skills avec Philali. Les one-shots qu'on a pu faire. Et le quintuplé. Rip, je souffre. Pourquoi tu souffres? Mec, tu joues au Bayern. C'est bien, non? Dino Dance. Bon, vas-y, sans troll. Bah, je vais essayer. Hein. Je vais essayer de ne pas troll. STP. Dino Dance. Ah bah on attend, hein. Y'a que la musique qui nous enjaille. Quand on doit attendre et quand les gens ne se mettent pas prêts. Deux fois de suite. What? Ok. Pile quand la game se lance, y'a un bug. C'est la Dino Dance, c'est ça. Ça a fait crash le jeu. Pokémon Unite. Et du coup, je me retrouve dans le lobby ou pas? Parce que les 10 sur 10 joueurs avaient mis prêt. Bruh. Nana. Ouh. C'est quoi ça? Le jeu, il a pas voulu que je joue le pire but de Jamal. Là, tu vois, reconnexion au serveur. Je suis dans la game ou pas? Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Oh non! Oh bah ça m'a mis une infalie. C'est quoi ce bordel? On a entendu le bruit de pire but, mais ça m'a mis une infalie. Not like this. Coup dur pour les points de chaîne de Jamal Musiala. Il s'est fait U. Pranked. Pranked par le jeu lui-même. C'est même pas moi là, j'ai rien fait. Le jeu a crash tout seul. Comme un grand. Excellent. C'est parti. Bah du coup je vais où? Où vais-je? Bot. Not like this. Salut Kaibiu. Comment il va celui-là?
terrible. Je vois que le jeu troll Jamal. Ouais. On n'a pas pu jouer le pire but de Jamal Musiala. Ça dégoûte. Ça dégoûte pour lui, hein. Pour moi, ça me va. Le protect score, quoi. Pourquoi on est 4 bots là? On est 4 bots et on meurt quand même, c'est bien. On est littéralement 4 contre 3 et on a 2 morts. C'est ok hein. C'est Mewtwo Y en face, hein. Ça fait bobo. Ça fait bobo. Pourquoi y'a personne au top? C'est quoi cette game? On est où là? J'aurais préféré que la game ne se lance pas finalement, moi. C'est le Loclas, il est en train de troll en fait. Il a dû se rendre compte que le Arrosar était nul à chier, du coup il a commencé à rager. Le mental est déjà niveau 8 presque. Abusé. Ce jeu c'est trop pour moi. Et ouais, not like this. Allez, on les tue, on come back. Parfait. J'ai flippé au début, j'ai vu l'ultime de Mortel, je me suis dit, il est mort. Finalement, pas du tout. Il était tout seul à faire des dégâts parce qu'il a guéri l'ombre, quoi. Il fait que ping l'autre abruti là. Le Loclas c'est un vrai cassos. Il est bien barré. Regardez, il fait que ping. On va le mute hein. Il fait chier. C'est le mec de droite en plus. Impeccable, on détruit la zone. Il y a l'obje. En même temps, on va se faire tomber dessus par le bas, je pense. Ouais, ils sont déjà nombreux. Et il y a un Mewtwo Y en plus. Le gars évolué. Il s'agirait d'arrêter les conneries avec Mewtwo et Mewtwo XY. Voilà. Les dégâts qu'il m'a mis, quoi. Le Loclas, il fout le troll. On a une game de merde. Encore une fois. Fermez tous vos gueules là, je vais cacher les pings de tout le monde, il me saoule. Putain. Je sais pas ce qu'il a le Loclas pour rager autant, mais il est chiant quoi. La prochaine fois quand j'aurai des points, je vais mettre 2K. Pour le build. Quand t'auras des points là, t'es ruiné ou quoi? Jamal il n'a plus de points. Merde. Comment on va faire pour jouer pire au but nous? Pourquoi j'ai un vitesse plus d'ailleurs moi? Je préfère jouer bouton fuite avec ce Pokémon. Allô? Ah ouais mais Loclas il veut pas jouer aussi, il est chiant. Il vient pas nous aider quoi. Allez moi je... Surrend hein, si possible. Ah on a déjà 2 refus. 3 refus alors que la game est déjà foutue. Il y a de l'espoir pour les coéquipiers. C'est bien d'être optimiste. Moi j'ai envie de ne pas jouer cette game, ça me saoule. On a le Loclas qui joue pas en fait.
J'ai 700, j'avais 4K. Oh là là, tristesse. Il est ruiné. Jamal le SDF, ça se confirme. Ça fait du bien quand il n'y a plus de ping. Hein. Là, je pense qu'ils sont en train de continuer à se ping les uns les autres, hein, donc c'est drôle. Ah, il joue pas le grab, dommage. S'il jouait le grab, il était mort, hein, le Lézargus. Et il y a Mewtwo Diff, hein. Mewtwo Diff. Peut rien faire. Il y a Mewtwo Diff et il y a AFK Loclass, donc bon. Moi je décide de pas jouer non plus, ça sert à rien. On va jouer notre score personnel et puis c'est tout. Le MVP sera assuré comme ça. Juste pour rire, on va voir un petit peu les pings là. Oh, ils se sont calmés. Ah non. Le Loclass, il continue de ping. Incroyable. Dès qu'il a le cooldown, il ping. C'est vraiment un gamin. Il continue de ping. Allez, hop, arrêtez. Merci à toi, Mike. Mickey Deal, Mike Deal. T'as Mike quoi. Mike Herman Trent. Point d'exclamation bonjour. Effectivement, faut accueillir les nouveaux viewers. On surène pas, c'est dommage. Y'a aucun espoir dans cette game. Hein. Il y a Mewtwo Diff et il y a AFK Diff aussi, donc bon. Dernière ligne droite. Autant ne pas jouer. Allez, allez. Autant elle est marquée, en vrai, vas-y, je me casse, je vais marquer moi. Hop. C'est ciao. Il n'y a plus d'ultime Mewtwo pour éventuellement me cancel, donc tant mieux. Il y a toujours de l'espoir. Quelqu'un a mis non. Deux personnes ont mis non. Comme j'ai dit, il y a toujours de l'espoir. Croyez en vos rêves. Allez, go next. 40 secondes de calvaire encore, putain. Hop, le suicide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une game de con qui est perdue depuis la 5ème seconde de la game. Ce sont des mazos. Effectivement. Non mais le Loclass qui rage dès la première minute de jeu quoi. Qui se met à ping tout le long de la game. Si on le réactive, on peut voir qu'il ping. Bah là il est mort donc il peut pas ping. Coup dur. C'est bête ça. Pas facile de jouer avec ça. J'aurais préféré que le jeu crache juste avant que je me mette prêt, tiens. Bah ouais. Défaite. Je sais pas, il a dû se passer un truc au top où en gros, le Loclass est mort. Il a dû dire c'est la faute de Lézargus, donc il a dit « Bon, j'arrive qu'à, je fais n'importe quoi, j'arrête de jouer, je fais le gamin, je ping. »
Et du coup voilà, c'est perdu. À cause de ça, on peut pas jouer. Merci à ce coéquipier qui d'ailleurs mérite son report. Va bien te faire voir toi. Alors, abandon AFK, spam, pin, gz. Ça ne servira à rien, mais on le fait quand même. Voilà. Du coup, j'ai toujours pire au but en Pokémon favori ou quoi? Probablement. Non. Ouais, il est là le pire au but. Allez. Est-ce que ça va crash encore une fois ou pas? Je l'espère pas parce que bon, c'est chiant. Qui dit crash dit game de merde, apparemment. On y croit. Avec ce pire au but demandé par Jamal. Moussiala. Heureusement, c'était pas la game pire au but. C'est vrai. Allez, c'est parti. Pire au but de Jamal. Joueur de foot. Jamal Moussiala, on est parti. Il y a déjà quelqu'un en jungle, pas de chance pour moi. Je vais devoir aller en lane, je pense, mon cher Jamal. J'ai dit que j'allais pas troll. Je vais en lane. Je vais te prouver que je peux pas troll pour cette game. On a 4 attaquants. On est bien barré. C'est juste foutu. La team super fragile. J'avoue, Lizox, t'as raison. On est foutu. On a une équipe de merde, littéralement. Ah là là, mais comment je vais faire moi? Je suis novice pire au but et il y a un pire au but ruban doré là, c'est foutu encore. Jamal. C'est à cause de Jamal, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour jouer pire au but là. On n'est pas en jungle, on est en lane et on a 4 attaquants. Et il y a un pire au but ruban doré. Aïe aïe aïe. Et il y a Mewtwo X, évidemment. Prêt ? C'est parti ! Dis-toi, tu es le voleur d'objectif ultime. Ouais, on verra. Si j'y arrive. Si j'y ai réussi tout à l'heure, c'était une fois sur 10. Hein. Oh la vache, les dégâts. On a failli crever. J'ai dit que j'allais pas troll. Pas que ça commence. Tenefix, je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant de dégâts. Ok. Le Larmélion, il a pas envie de rire. J'essaye de faire des auto-attaques, mais fait pas de dégâts en fait. Ah, dommage. Je carry mes games car à chaque je vole le ray ou les objets aux adversaires, alors tu peux le faire. Essayez. Il y a un pire but en face, il est... Ruban doré, lui. Il a plus d'XP sur quel moment balancer son ultime. Et tout ça. Ah, dommage, on prendra pas le kill.
le scoring. Je ne finirai pas la game à 0 points. Et ça, c'est déjà un bon point. Bien joué. Ah, c'est pas moi qui ai eu le kill, du coup j'ai pas eu d'XP, dommage. Ça m'aurait bien aidé. Vous ne mourrez pas. T'inquiète, les pierres au but doré, ça défraude. Comme toi. Voilà, le push est engagé. Le push est engagé, je rappelle. Voilà, j'ai tué le pire au but adverse. Incroyable. Faut fuir. Le TP il voulait pas au début. Pogay. Oh, l'ultime de pro. Je suis pas doré, du moins pas encore. Tu seras bientôt un fraudeur, Jamal. Continuez comme ça. Ok. Je suis vert sur le papier, doré dans le fond. Ok, et l'objectif du top. Ah oui, c'est un Mewtwo Y qu'on a. Je me suis dit, bah il le grappe pas. Je suis un ouf, moi. Oh non, les auto-attaques sur mon allié. Oh non, je vais exploser ou pas? C'est bon, on a fait un triplé. Voilà, elle régit les ki. C'est ok. Pas mal, pas mal. Jamal qui juge. Oh, Tenefix au top. Bien joué, Fenard. Oh la vache, c'est quoi que j'ai pris là? Oh bordel. Il va nous cliquer dessus, faut courir. Même pas essayer de l'auto-attaque. Oh la défoncée. Idem pour le Tenefix.
Ah, il est l'ultime de Mewtwo. Plus de vie, moi. Ah, mais on a Regice pour la fin de game, ça c'est parfait. Qui dit Regice dit Regen. Si ça finit en stream, c'est déjà un bon début, la série en stream. C'est vrai. Ah, y a moyen, hein. Y a moyen. On fait une bonne game, donc... ça peut finir sur YT. Effectivement. Dernière ligne droite. Continuez comme ça. Bien jusqu'à joué. Ce que je me mette à troll, t'inquiète. On va se remettre full vie, on va pas prendre de risques. Ténéfix, attention, il va peut-être venir marquer. Hein. Ouais. Je vais rester par là, il y a peut-être le Ténéfix. Ah, il est parti au top. Bowser for fight. Ok, on fait l'obje et on gagne. Il n'y a plus Ténéfix, il n'y a que lui normalement. Il peut nous empêcher. Hop, on court et on va marquer. Hop là, Jamal Musiala. Oh non, j'ai pas pu scorer. Allez vous faire foutre. Quel dommage. Astuce, pied brûleur augmente ta vitesse d'attaque. Merci Jamal, j'avais remarqué. Et d'ailleurs, il me semble que c'est uniquement pied brûleur plus, non ? Victoire ! Quoi, on a perdu ? Non, je déconne, ils ont déclaré forfait. Incroyable ! 11 kills et 15 assists. Des dégâts. Pas tant que ça, finalement. Mais c'est pas mal, on était en lane, on s'est bien débrouillé avec ce pyro but de Jamal Musiala. Merci à toi pour ce gameplay avec pyro but. Impeccable. Allez, on va finir le stream là-dessus. Merci beaucoup, Jamal. Avec ces games pyro but, on a pu voir à quel point le Pokémon était méta. Pas du tout. Bientôt le ruban doré avec pyro but, hein. Le nom me dérange pas. Tu vois, j'ai pas troll. On a bien joué. Bravo. Merci Kaibiu. Kaibiu. Allez, je m'occupe de mes petits points rouges. Le temps pour moi de remercier l'entièreté des viewers qui sont venus sur le stream. Merci encore à Stitch pour son abonnement Prime. Et joyeux anniversaire en avance. Hein. Évidemment, on s'est trompé de 10 jours. 10 jours trop tôt. Ça n'est que partie remise pour le prochain live. Pour le vrai anniversaire de Stitch. C'est promis. Donc voilà, merci à tous. Merci Jamal d'avoir animé ce stream dans le chat. Et avec ses games pyro but. Et l'une d'entre elles va finir sur YouTube, effectivement, dans la série en stream. Merci aux nombreux followers qui ont rejoint la commu. Et merci à Moustacho, tout à l'heure également, pour son raid. Voilà, on a fini. Fin du stream, fin de rediffusion YouTube. Merci les viewers de YouTube, merci pour vos commentaires, etc. et votre soutien. 1500 abonnés ont été dépassés. Bravo. Ça part en Dino Dance pour se terminer. Dino Dance Everywhere. On spamme le Dino Dance. Merci à tous. Et à très bientôt pour de prochains streams. Bonne soirée. Et bonne semaine à venir. Évidemment.